Frérot, attends, j'ai 400 000. Hein. Dis-moi au moins que t'as réactivé les voix depuis. Dis-moi au moins que t'as, réactivé les voix, Félo. C'est la XR-EXAR. Quoi? XR-EXAR. Hôtel, Echo, X-Ray, Echo, Roméo. Attends, attends. Hôtel, Echo, X-Ray. Et là, t'es paumé. X-Ray. X-Ray, Nissan X-Ray. Il n'y a plus de respect. Or, entre la DVC-8, la Schlagen, la Italy GTO, la T20. Attention à tous hasards. À tous ZZ. Ah oui, voilà. On a vraiment rigolé à ça là. Oui. On a vraiment rigolé à ça, tu te fous de ma gueule. Putain. À tous les êtres. Oh là là. On a vraiment rigolé à ça, Flo. On a vraiment rigolé à tous les êtres. C'est toi. Si merde. Alors, attends, Octave, vous invitez à jouer à Grand Theft Auto V. Trier par prix du plus. Oh là là, t'es fatigant, c'est dingue. Je suis juste réaliste, frérot. Non, fatigant. Ouais. Vert pétrole, mec, ça lui va tellement bien aussi. Allez, vas-y, va pour. En couleur principale ou secondaire? Oh mec, dis-moi ce que t'en penses. Oh. Je vais m'arrêter. Écoute-moi bien. Je suis sorti. J'ai entendu un bruit de métal. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais elle tourne bien cette moto, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai l'impression qu'elle tourne bien que quand il te... Moi j'ai l'impression qu'elle tourne bien que quand il y a le pilote. Hein. De quoi ça fait mal à l'ego? Non, ça pas fait qu'à mal. L'ego apparemment. Bâtard. Alors mais... Al karma. Ça c'est le karma. Ah mais je t'ai vraiment fait voler. T'es un malade toi, non mais... T'es qui pour m'attaquer? Ah, non, tiens pas, tiens pas, tiens pas. Pas copain. Pas copain. Hier Fire, je danse sur ma moto. Tan 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 tan. Oula, attends, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Attends. Et c'est la victoire du joueur français. Oh, ah non, 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 t'as cherché, oh, là, y a pas d'autre mot. C'est parce que je dis t'es un bâtard. Quoi? Mais j'étais en train de danser sur ma moto de base. T'es passé là à ce moment là, j'ai plus rien. Eh, me tue pas parce que je suis en train de baliser la route pour ta voiture. Ta moto pardon. Non, c'est parce que je vois des voitures partout, du coup ça me perturbe. Oh, pauvre tu joues.
La prochaine fois il va avoir des chats partout, il va prendre sur le sujet, ça. Ça me changera pas d'habitude. Pourquoi tu m'envoies des camions sur moi? Mais t'es malade, mais faut pas faire ça. Non mais tu prends pour qui là? What the fuck man? Quoi? Coucou moi... C'est bon, j'ai plus la police. Par contre j'ai des rossés. Non, enlève mon Eh? Mais non, mais les flics ils ont envoyé ma moto dans le vide. De quoi? Ah bah, what? De quoi? Bah comment? Tu vois pas? De quoi? Bah si, c'est touré. What the fuck man? tu vois pas qu'il y a une remorque là? Ouais. Attends, ça fait quoi ce petit bout? Non mais frère, quand je te dis que t'as fait Poudlard, what the fuck man. Attends. Coucou. Dis ça mon pote, ça finit pas. Si ça mon pote, ça finit pas en blessant, je comprends pas. Oh mais ça veut dire que le poteau je vais le péter. Oh mais c'est trop bien. Attends, et donc là du coup si je fais ça. Par contre vu que tu restes hein. Par contre c'est pas du tout synchro. Ouais. Puisque toi tu la vois à droite du camion. Là mec je la vois derrière moi. Là je la vois derrière moi à gauche. Ouais on est d'accord. Là je la vois à droite. Non moi elle est à gauche là. Ouais moi je la vois à droite. Donc là du coup genre si je fais ça. Ouh! Mais elle a explosé. Aïe! Oh, t'es moche. C'est un malade. Attends. Qu'est-ce que je vais pouvoir m'ouvrir? Blablabla. Je suis obligé de tout descendre. Oh, Fayard! Ouais. C'est trop bien, j'avais jamais remarqué. Pourquoi? Regarde, il y a plein d'impacts de balles sur le panneau de Paléto Bay. Regarde ta voiture comment elle est. Attends. Mec, on dirait qu'elle a une bouche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais pourquoi? On dirait qu'elle a perdu son dentier. Ah mais c'est Jocelyne, c'est Jocelyne la veille partie qui a 80 ans, c'est vrai. Mais you, qui t'a fait mon dossier? Énorme. Oui, tiens bah pour la peine, le moteur il y passe. Et frérot, j'ai demandé à Bumblebee qui se transforme. Oui. Oh, je sais pas ce que toi t'as vu, mais moi c'était magnifique. Toi aussi, tu m'as vu faire une roulade. Moi, t'es resté sur la moto tout le temps. Oh je lui coupe. Oh tu t'es pris le camping-car. Non, ouais, je l'ai vu gros. Il est apparu devant moi gros. Bah pour moi vraiment tu te l'es pris mais... Ah bah moi aussi je me suis bien pris, t'inquiète pas. Je l'ai pas vu. Il est apparu. Si tu peux l'ouvrir mais genre assez rapidement. Bah c'est moi qui vais l'ouvrir là. Ouais. Décale un petit peu. Comme ça. Chut.
Tu te tais. Je ne veux rien entendre. Oh là là. Oh mais non, Bestof, c'est là. Oh là là. Je ne veux rien entendre. Mais on Bestof ça. J'adore. C'est ça que je devais faire de base, tu vois, mais... Oh là là, j'ai peur. Ouais, oh, il est fermé. Le mec, ça me dit qu'il est fermé, le jeu. Bah oui, tous les jours. Smoke weed et weed ape. Alors ça, c'est de la gova, hein. Bah, j'ai plus de voiture, du coup, par contre, pour le coup, là, que... Ah ouais, c'est quoi. Non, non, c'est pas là, ça. Pas trop vite là, c'est bon. Non, c'est bon. Arrête, c'est... c'est toi, gros, ça, il y avait tapé à queue, moi. Mais de quoi, c'est moi? T'as tourné sur moi? Non! Mais c'est tellement... Mais c'est toi, 100 000%, gros. Le mec, il commence à faire une tête à queue, je me dis... Je me dis, dans ma tête, m'arrête. Le mec est dans le coucou, il fait ce boulot là. Pourquoi t'as fait ça, mec? Mais mec, moi j'ai roulé sur la file de gauche. Je suis à contre-sens, c'est une voiture qui arrive devant toi. Ça peut pas être moi qui t'ai fait une tête à queue. Mais non, tu t'es rabattu sur moi, mec. Mais pas du tout. Bah bien sûr que si. Ouais, alors. Je reviens plus devant toi. Suicide. Suicide collectif. Oh, mec. Non, j'ai le seum. Je suis éclaté quand t'es seul. Non, j'ai le seum. Oh, mec, t'as vu comme c'était stylé. Ah, bro, what the fuck. Non, je le seum, moi, j'ai pété la gueule. J'ai une de ces chances. Mec, lui t'as vu moi? Il faut mec hein. Mec, j'entends bien en vrai. Oh Nico, t'as vu comme quoi quand je me suis pris la voiture? J'ai vu ton point disparaître. Un biker patrie est parti trop tôt. Non mais gros, je me suis pris une autre, c'est bon, oh, allez, gros, là. La légende raconte qu'il... Attends, arrête-toi sur le côté. YouTube Studio, je crois que je dois l'avoir sur un de mes véhicules. Sur un... Oh. Qu'est-ce qu'il raconte? Ce mec sur ma voiture, j'ai YouTube Studio si tu veux, donc Il a sorti ça au calme, tu fais quoi? Oh non. Non mais tu sais, sur ma voiture j'ai un balai, donc Tiens, pour la peine, madame, vous décédez. Voilà, c'est votre faute. Non, Fayard, ça va, tu veux qu'on t'aide aussi ou ça se passe comment là? Mec, ils commencent à nous lâcher des bombes nucléaires comme ça là? Non, mais tu te calmes, hein? Ça commence à bien faire, Fayard. Hein. Brucey, il sert à rien. Brucey, elle sert à rien. Brucey, il sert à donner de la testostérone du shark. Bah Dom il sert à rien. 911. Il sert à rien. Gérald il sert à rien. Juliette elle sert à rien. Là oh, c'est une grosse idée là. Il sert à rien.
Rien. Ce qu'il a dit, compagnon. Non, attends, mec. Mais reste carré, hein. Cher carré ou pas? Il a dit quoi? J'abandonne. Il est pas possible. Mais juste l'atterrissage, je sais pas, je trouve ça grave kiffant. Bonjour monsieur. C'est pourquoi? Je vous. Bah, je monte avec toi. Ah, non mais en fait moi je crois pas que je te vois exactement là où je suis. Bah moi je suis là et je spam triangle. Tu te vois où toi? Moi je te vois ici. Attends, arrête de TP 30 secondes. Ah bah ça marche. Bizarrement. Comment on appelle une pute qui est grosse? J'ai compris qu'il est rose. Non, comment on appelle une pute qui est grosse? Un ballon baudruche. Du coup tu sais pas de gamer? Non. Une grosse pute. J'ai envie de te dire, si elle est rose, c'est qu'elle est pas encore utilisée. Hein. Oh non. Oh non. Oh non. Putain. Je casse les couilles. Ta gueule, arrête. De camembert. C'est rigolo, c'est grand bien les camembert. C'est un camembert. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est un camembert goût camembert ou c'est un camembert élastique? Dans un bac camembert. C'est quoi? Un camembert en caramel. Quoi? Le pire c'est que tu vois genre j'y vois trop genre tu sais le morceau de comté emballé dans un emballage de carambar tu vois. Fromage président édition gilet jaune. Fromage président. Fromage président édition Brigitte Macron. Ah non, on avait dit qu'il fallait enlever la croûte. Ah ouais merde, ah oui non édition choucroute ouais, pardon. T'es un psychopathe. Merde alors. Elle est partout, elle, frère. Elle a un grand champ, elle est partout, frère. Toi, t'as une hache. Moi, j'ai un pare-choc. Il est tout rouge. Bonjour. Comment ça, t'es une blague? Eh ben c'est la vie, s'il vous plaît. Bonjour. Ouais, non, c'est le matin, les blagues. Tu m'avais faite. Vous savez pourquoi je vous arrête? Bah, sachant que j'étais en train de rouler par un moment. Comment ça, monsieur? J'ai pas entendu. Absolument pas, y'a aucun motif. Ah oui, oui. Bon, vous savez quoi? Rien, moi non plus. Allez, c'est parti, circule. Tu veux que je le raconte? Attends. Ça passe pas trop. Ok. On appelle une EMS s'il vous plaît. Dispatch, j'ai besoin d'une EMS. Ah voilà, le voilà. Alors attendez. Mec, attends par contre Nico, non, Nico, reste. Non, arrête. Nico, RP parlant. RP parlant, je dois faire quoi dans cette situation là? Bonjour. Ah le capot. Mais Nico par contre mec dans ces situations là je dois faire quoi en RP? Qu'est-ce que tu ferais IRL? Bah je sais pas frérot mec parce que t'as une chance sur deux de tomber ici. Je sais pas si vous voyez comme moi les gamins déjà tu sais faire du maraboutage. De quoi? Ah oui, attends, je Fais gaffe comment ça du maraboutage. Fais gaffe parce attends, que tu risques de tomber. Tu vas faire what the fuck, bro. Mais j'étais sur la tronche en fait de base. Mayday, on a perdu un fire sauvage. Bonjour. Ce spécimen très dangereux, connu, oui.
depuis tout à l'heure, je parle tout seul dans le vide, j'étais mieux. Ah, ça, ça fait plaisir d'entendre ça. C'est à ce moment-là que tu te sens con. C'est à ce moment-là que je fais l'air carré. Non, ta gueule, j'en étais sûr, putain. Enculé. Bon, Fire, mon coco. J'ai le C4 qui me démange, là, viens là. J'ai freeze. Toi aussi. C'est ça de faire les cons, les enfants. Oh, les oh, magnifique ce virage. Magnifique ce regardage de rétroviseur. Deux fois je regarde dans le rétro, deux fois je me mange un truc violemment, mec, c'est abusé. Oh, c'est magnifique. Ça c'est pas le bon plan, Fire. Quoi? De quoi? T'as foncé sur une ligne. C'est pas toi qui a explosé. Mais j'ai pas explosé moi. Ah ouais, bah pourquoi? C'est qui a explosé là? T'as rien eu, Crazer? Christ. Oui, non, mais c'est pas toi qui a été détruit. Bon bah, Fire, ah. C'est ta faute hein. Non. Bah si, c'est oui. C'est mon moteur qui a calé du coup. Son bateau va de New York à Londres sans bouger. C'est lui qui dit au soleil quand il doit se lever. Dans son aquarium, il a des baleines bleues. Qu'est-ce qu'il y a ? Il peut courir des marathons dans sa maison en ligne droite sans jamais s'arrêter. Pour voir le bout de son jardin, il utilise un télescope. Il a acheté une île sur Jupiter. Qu'est-ce qu'il y a ? Il paye pas en dollars, pas en euros. Il paye en Bezos. Il nous a tous bien Bezos. On dit que le bonheur ne s'achète pas, mais c'est parce que Jeff Bezos refuse de le vendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce gars, je le surkiffe, il est trop drôle. Alors du coup, Oh mec, il y a un nouveau pare-choc. T'as vu? Pour la peinture, tu la préfères en noir? Ouais, elle est sympa aussi en noir. Ok. Et pour les suspensions, je la laisse comme ça ou je la rabaisse au maximum? Ça fait bouger la moto. Tu me fais confiance? Non. Non, Fire. Non, Fire. Wow. J'ai eu très peur, Fire. Oh, le parc éolien. Oh, nickel. Pas sûr, bah, ça. T'as raison. Bah, t'as raison. Tu me fais confiance? Non. Oh, c'est moi, j'ai une éolienne. C'est bien fait de dire non. Heureusement qu'il est un minimum blindé. Hein. On passe. On est passé. Allez, ce panneau. Allez. Ce panneau. Oh, j'ai freeze. Allez, on passe sous le pont. Oh, tranquille. Ah bah moi, ça y est, j'ai freeze. J'ai freeze. Attends, ouais. On passe sous. Oula. On passe sous tous les ponts ou pas?
Non. On va sauter les ponts ou pas? Mais le train d'atterrissage, mais le train d'atterrissage, on va pas pouvoir partir sinon. On fume. Allez go. On fume noir là. Oh. Oh, il est invincible. Ouais, bien sûr. L'insolence du tu. C'était le train de l'atterrissage de l'espoir là. Enfin le train d'atterrissage. Alors attends, parce qu'il faut pas se gourer là. Faire prendre quoi? Le Gingy. Ah merde, demandez Gingy. Faire. Il y a un truc que t'as pas compris, je crois. Quoi? C'est que c'est un train d'atterrissage, pas d'amérissage. Regarde, déjà ton hélico il spawn sous un pont. Ça c'est un frérot. Mais Tamir la pute aussi là, les accidents de merde. Tu m'as vu non? Je t'ai entendu râler, je t'ai vu atterrir mais comme pas possible, j'étais beaucoup trop drôle. Aujourd'hui, dans le portrait de la semaine, nous allons suivre le journal intime de Lucie, une jeune fille de 18 ans, une femme vraiment troublée dans sa vie sentimentale à cause des Martin, Myron ou même Elliot. Nous allons la suivre pendant 2 minutes, le temps que je tiens en ligne. C'est dommage, je viens de faire une profession devant des millions de téléspectateurs. Ça fait mal. Comme se prendre une bite dans le cul ou un gros manche. Effectivement. Mais quel manche? Est-ce celui-ci? Est-ce celui-là? Est-ce celui-là? Celui-là, reprenons. Gardons notre sérieux. Nous parlions des manches. La Manche. La mer qui sépare l'Angleterre et la France. Les enculés. Oh non, les connards! Oh non! Oh les enculés! Moi j'ai pas fait de tir carré, Fayard. Pas encore en tout cas. Mais du coup, à cause de toi, Lucie, je me suis fait bidouiller 2 millions là. T'as intérêt de me rembourser. Lucie, tu me donnes quoi dans, du coup, en échange? Parce que là, du coup, j'ai. Oh, elle est belle la couleur du Sekiro. Me shoot pas, sinon. Arrête! Oh, oh, bâtard! Je vais t'enculer! Et je vais t'enculer! Non, 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 non! Y a pas de lubrifiant! Je vais. Coucou! Oh mec, attends! Mec, regarde l'avant! Ouais, quoi? C'est quoi ça? Mec, c'est quoi ça? On dirait pas, genre elle a des petits yeux là. Avec une grande bouche. Bah en fait ça fait une gauntlet une classique mais pas custom. C'est tout en fait. Oh j'avoue on dirait bah une gauntlet normale. Bah oui une gauntlet classique normale. Une gauntlet classique 2021. Invente-moi une couleur. Blouge. C'est bien, blouge. Il m'a sorti quoi? Il m'a sorti du blouge, bâtard. C'était quoi une couleur? Dans la pub pour Volkswagen. Oui non mais c'était. Je sais mais c'était. Je sais plus ce que c'était la deuxième couleur qu'il avait mixé. Bah c'était la deuxième couleur le blouse. Oui bah la première alors je sais plus.
Est-ce que toi aussi t'es en train d'aller sur YouTube là ou... Alors non, moi je suis en train d'aller réparer ma voiture. Mais j'y ai pensé très fortement. T'es vraiment en train de taper pub Volkswagen Blue. Alors à tout Rolf. À tout Rolf. À tout Rolf. Non. Ah mais j'hésite avec la colle Chinelle. Le plus dur, c'est de choisir. Du 1er au 31 décembre, profitez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Et pour la couleur ? Blouge. C'est bien une blouge. Volkswagen. Das en fait, Auto. Il y avait qu'une seule couleur en fait. Le reste blouge. C'était les voitures. C'est bien un blouge. Le tout Rolf. Ah mais j'hésite avec la Golfinelle. C'est bien une Golfinelle aussi. Allez, je vais vous prendre un mix entre le Tourolf et la Golfinelle en blouge. Les mecs t'abusent pas. Un Tourolf. C'est bien un Tourolf. Allez. Blouge. C'est bien un blouge. Oh putain, oh putain. Fayard ? Ouais. Et pour la preuve, cher carré, c'est bien, cher carré. Moi, je me suis branlé en pensant à toi et j'ai kiffé sa mère. Après, j'ai arrêté parce que c'était malsain. Je me suis dit, waouh, c'est comme si je baisais ma sœur. Ça a pris. C'est magnon. Non, merde, j'étais dans le menu, j'étais dans le menu, tu veux faire sur carré, merde. Oh, merci. Après, je me suis branlé en pensant à toi et j'ai kiffé sa mère. Après, je me suis arrêté, c'était malsain, je me suis dit, waouh, c'est comme si je baisais ma sœur, ça apprécie. Ça magnon. Ça magnon. Voilà, comme ça, t'as répété la chanson, comme ça, si jamais, quand j'étais dans le menu, ça ne réquait pas. J'ai mon cher carré. Oh, nique ta mère. Rack. Pun. Rah, darbaz, nan. T'es là ce que tu fais avec ma voiture. J'ai le capot, il s'en va en mode. What? Bien fait, frère. J'ai fait du marabout. Ah, t'es là ce que tu fais avec ta connexion. J'ai une focusse une première avec. Oh non mais gros. Mec. C'est quoi ça? Mec, au bout d'un moment, cher carré, c'est pas possible. Ras le bol de feu, j'en ai ras le bol. Oh mais quel bâtard. Ma voiture mec, elle est pliée. Quand tu sors, t'as paragon R. Wouhou! Tu vois quoi, mec? Tu vois une paragon spawn sur mon écran, frère? C'est quoi ce bordel? Tiens, l'avion il a fait. Ah. Moi, ça me dit juste que je vais sauter en paragon. What the fuck? Quoi? Ni? Ah. J'ai été sur la lune! Tu sais que mec, je suis grave fier de moi. Hein. Tu sais que j'ai galéré, hein. La vie de ma mère, j'ai galéré, hein. Mais je suis trop fier de moi. Bon, c'est surtout que j'ai suivi un tuto à la lettre, mais après, ça, sur ces. Enfin, bref, Red Dead ou GTA? Non. Ou aucun des deux? En vrai. Red Dead. Ouais, je pense après. Fire va dans les approvisionnements de compte. De quoi? Allez Taras, comment ça genre sur... Ouais sur PS4. Attends, j'ai liké mais j'ai même pas vu. C'est con ça par contre. Théma il a le réflexe de liker mais... Non mais j'ai pas fait exprès, mais c'est quoi? Bah regarde et tu verras. Dans les approvisionnements,
va dans les approvisionnements de compte et tape le code PIN. Ça, c'est des serpents crabes. Qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Et je note le code PIN. Ça, c'est des trucs gazeux. Là, je sais plus quoi. Gazopodes. Gazopodes. C'est vrai? Tu me crois pas? Non, mais si, je te crois. Tu me crois pas en plus? Non, mais. Au passage. Attends, elle m'entend, Sarah? Ah oui. Oui, t'inquiète, je t'entends. Ah bah. Bonjour. Bonsoir. Des. T'es 8. 4. C. Dans la catégorie décédé. Je vais voir Pop 100 balles, frère, je vais rien comprendre. C'est un gazopode. Un gazopode. DJAQ. Poulpe. Poulpe. Ok. Continuez. Deux coups. Non, ta gueule. De quoi? Non, attends, tu te fous de moi là? Tu te fous de moi? De quoi? Pour moi ça? De quoi? Pour moi ça? De quoi? Ta gueule. Attends, c'est pour moi 50 balles? Mais attends, parce que là en fait j'ai littéralement les larmes aux yeux. Non, attends, c'est pour moi? Bah oui. Mais tu crois que c'est pour qui? Pourquoi? Parce que? Mais pourquoi j'y vais? Ouf, putain frère, non, putain. Je suis en train de chialer, mais pourquoi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Non, mais pourquoi? Sérieusement, pourquoi? Mais parce que. Parce qu'il avait envie, tiens. Parce que c'est comme ça. C'est top. Ah, on a perdu Fayard là. Oui. Mais faut pas en pleurer. Fayard? Toi, ta gueule, toi, Sarah, d'accord? Ta gueule. Mais frère, mais pourquoi? Ça finit pour Charles carrément. Non mais hey, clairement ouais, non mais clairement mais pourquoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Non mais attends parce que j'ai pas envie d'appuyer sur oui. Frère. Ah mais si, eh ben si, vas-y. Non mais j'ai pas envie. Non mais il croit que c'est pour qui lui aussi. Non, mais attends. Bah accepte, déjà, qu'est-ce que t'as foutu à 15h42 et 35 secondes pour m'acheter 50 balles, frère? Mais pourquoi? Non, mais sérieusement, j'ai pas envie de mettre oui parce que... Ah si? Mais pourquoi? Mais parce que... Parce qu'il avait envie. Juste. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire vas-y je vais faire ça? De quoi? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire je vais faire ça? Non mais sérieux, genre tu t'es dit vas-y mec j'ai 50 balles à claquer, je vais lui donner un paillard. Quoi? T'avais pas dit que tu voulais t'acheter un jeu de base qui coûtait 10 balles parce qu'il était en réduction? Putain. Et tu veux savoir c'est quoi le pire? C'est qu'il coûte 40. Oui, ouais, ça je sais. Mais je l'ai acheté sur PC pour 5€, mais en fait il tourne assez mal. Et en fait je me suis dit, vas-y c'est quoi, j'attendrai la prochaine fois quand ça sera à 10€. Et je me suis dit, mais dans combien de temps? Eh bah, problème résolu. Oh attends, parce que là, mais non mais il y a apparemment un event où tu peux avoir des primogems. Non mais Nico, waouh. Allez, un bisur croix là. J'ai pas envie.
Mais si. Mais fais-le. Il est rigolo lui. J'ai appuyé sur croix, sa mère. Votre solde 50 euros a été ajouté à votre monnaie. Donc vous soldez pour monnaie 50 euros. Juste, je vais te laisser avec tes écouteurs parce que moi je pense que, étant donné que j'ai besoin du jeu pour jouer, donc du coup je vais te laisser. Tiens, moi, Go Genshin, hein. En attendant, il y a un event et je vais pas le rater. Nico, mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Mais parce que. Laisse-moi tranquille. T'as pas un casque? Il y a le mien. Non, ils sont éclatés. Ah non, Fayard! Ah non! Ça va bien se passer, d'ailleurs, ça va bien se passer. Eh oui, mais j'ai pas de chargement, moi, pour ça. Merde, regarde la canette. Mais non, canette. Allez. Ah non, mais là, mais tu... Ah, c'est trop pour moi, la paire, c'est... Il y a cela, mais... Il y a un écouteur qui marche pas. Ouais, non, mais c'est trop bien, pourquoi? De toute façon, j'ai besoin. Mec, c'est trop, je te jure, là, ma mère, c'est trop, frère. Tu veux ça, quoi? Tu veux ça? C'est quoi l'insolence? Non, mais attends. Attends, je suis en train de répondre un coup. Non, mais attends, Nico, tu rigoles, j'ai même pas dit c'était quoi. Non, mais je suis à côté, donc si tu pouvais arrêter de gueuler, putain. Nico, tu veux savoir c'est quoi l'ensemble? Vas-y. Si tu même en achetant le Carbal ce programme, je pourrais acheter le Uno sur PS4. De quoi? Même en achetant le Carbal Space Programme sur PS4, je pourrais me payer le Uno sur PS4. Il coûte 4,99€ le haut. Et bah voilà. Mais je vais mettre ma 4G plus souvent en fait. Je me demande encore pourquoi t'as fait ça, frère. Bah parce que. Vas-y, je vais faire mon cher carré, je vais te rejoindre sur Red Dead. J'ai le titre de mon best-of, c'est bon. Droite. C'est où la droite? C'est par là, la droite. Merde. J'ai vraiment mes biens. C'est qui a eu la voiture? C'est qui a eu la voiture? C'est Bibi! C'est Bibi qui a eu la voiture! Oh non! Yes! Je savais qu'en disant que la Voltaire était belle, j'allais la gagner! Oh yes! Alors, si tu pouvais te dépêcher de sélectionner là au lieu d'avoir des bruits bizarres. Voilà. Laisse-moi tourner ma roue et potentiellement gagner la voiture. Oh, tu risques de le gagner. Non, j'ai le prix mystère. Oh, un vêtement, bah c'est mignon aussi, hein, moi ça. Sweet Bigness Camo Violet, c'est parfait, je le mettrai jamais de ma vie.
pour une fois que c'est moi qui ai la voiture et c'est toi qui as le vêtement. Ah, oh, mais mec, mais je savais. Je savais. Je sais.